Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TazKiller85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve à la plaine des sports, toujours bien sûr, vous connaissez l'endroit. Bah écoutez, c'est pas loin de chez moi, il fait beau, il n'y a personne, et ben c'est le moment idéal pour vous parler du V-Fly R130. Ça fait un petit moment que je l'ai reçu celui-ci, mais je n'ai pas trouvé l'occasion encore de vous le montrer, ou alors quand je voulais, bah il faisait un temps pourri. Donc bah je profite pour faire une revue complète tout de suite sur ce petit appareil de chez V-Fly, V-Fly, je sais pas, dites comme vous voulez, moi j'aime bien dire V-Fly. Flies R130. Donc bah écoutez, il y a une petite gamme qui sort chez eux, plutôt sympa. Il y avait le 220 qui était à peu près sous le même acabit, le même genre de frame, et là ils en ont sorti un petit nouveau, un 150, bah, que j'espère pouvoir vous montrer bientôt bien sûr. Qu'est-ce qu'on a avec cet engin? Bah écoutez, pas énormément de choses. Alors bien sûr vous recevez l'engin tout près, je vous en parle tout de suite. Très sympa petit bébé, vous allez voir, pour ceux qui veulent pas se prendre la tête, qui veulent quelque chose de solide. Alors vous aurez avec une petite notice comme ça complète, avec bien sûr procédure de bindage. Donc tout est en anglais, hein, on n'a pas de chinois ici. Les explications basiques, les petits boutons, à quoi ça sert, chose que je vais vous montrer de suite. Donc une notice assez simple, une petite clé de 60 pour retirer les boulons du camion. Non, simplement pour démonter les hélices. Et vous aurez un petit sachet d'accessoires comme ça, avec quatre petits patins que je n'ai pas utilisés, des petits patins en caoutchouc ici, avec de la bande scratch et également une petite clé Allen, une petite clé BTR qui vous servira à démonter le châssis tout simplement. Et vous avez des rondelles anti-contact en carton, avec de la petite visserie pour remplacer si jamais vous foirez des vis fournies tout simplement en démontant. Et c'est tout ce que vous aurez dans l'engin, pas de batterie fournie avec ce V-Fly. Ce sera à vous de voir, donc ça prendra du 3 ou du 4S, je vais vous montrer ça. Et sinon, bah, les hélices, alors il y a eu plusieurs modèles de sortie, vous aviez eu un premier modèle avec des grosses hélices carrées, des trois pales qu'on trouvait aussi sur le XF200 que je vous avais montré. Donc là, elles ont été changées apparemment, vous recevrez soit ces hélices-là en 30-35, ici, de Gemfan, en 4 pales, soit vous recevrez, hop, je vais vous montrer parce que les autres sont dessus, soit vous aurez celles-ci, les petites Gemfan Flash, ici, en 30-52. Donc, bonnes petites hélices, moi j'aime bien, c'est des hélices qui sont bien pêchues. Donc, le petit engin en lui-même, eh ben écoutez, moi je l'ai pris en FR Sky, puisque maintenant je peux le binder comme je veux avec la T8 SG, avec la Jumper, vous le savez. Vous pourrez choisir soit Fly Sky, FR Sky ou DSM, bien sûr. Et alors, ce petit engin est un peu particulier, on n'a pas l'habitude de voir ce style de frame, mais plutôt sympa dans l'ensemble. On va commencer comme d'habitude de l'extérieur vers l'intérieur, donc les hélices c'est fait. Donc on a des petits moteurs en 1406, 4000 kV, donc largement suffisant pour un 130, ça va envoyer violent, et puis ça prend du 3S et du 4S évidemment. On a un châssis carbone assez épais, et c'est en trois parties. Vous avez la partie centrale ici, la plate, qui se démonte intégralement. Vous soulevez et vous avez en dessous accès au contrôleur de vol ainsi que récepteur qui est tout à l'intérieur de ce boîtier. Et vous avez deux autres parties qui sont les bras en une partie ici et les bras avant également. Qui sont eux en 3 mm d'épaisseur, un bon carbone bien résistant. L'ESC est un ESC 4 en 1 15 A qui monte à 20 A en pic, donc 3 et 4S comme je vous l'ai dit. Assez particulier de le mettre ici, alors peut-être attention un peu à l'humidité. Maintenant moi je vole pas quand il pleut bien évidemment, attention au brouillard, les temps de brouillard c'est chargé en humidité. Mais l'avantage de l'avoir placé ici, bon il est bien protégé par une grosse plaque métallique, il risque pas de lui arriver grand chose, juste attention à l'humidité. Donc faites comme moi, volez pas quand c'est trop humide tout simplement. Mais l'autre avantage c'est que c'est vraiment bien ventilé, bien refroidi. Un autre avantage aussi qu'il y a, c'est que si vous voulez changer le contrôleur de vol, il n'y a rien à souder. Là le SC est clipsé en fait par les blocs de soudure ici, donc il est clipsé simplement, donc facile à changer également. Et le contrôleur de vol c'est simplement une prise également pour le relier, donc aucune soudure s'il y avait des éléments à changer. On voit le buzzer qui apparaît entre le SC et la plaque supérieure, un USB, donc micro USB pour pouvoir le relier et le paramétrer sur Betaflight bien sûr. On a également deux petits boutons, je vais y revenir, une antenne champignon
qui est plutôt bien caché ici justement, juste derrière cette plate métallique, mais qui pose un petit souci quand même, c'est au moment du démontage, si vous voulez changer l'antenne ou si vous la cassez, vous allez devoir retirer cette plaque. Bon, c'est pas non plus la mer à boire, puisque c'est quatre petites vis, simplement, qui retiennent la plaque métallique, car sinon vous ne pourrez pas démonter intégralement l'antenne. L'autre avantage, c'est que si jamais votre antenne se dévissait par le temps que vous n'avez pas fait attention, elle ne peut pas sortir, elle va être bloquée par la plaque, donc vous ne pourrez pas la perdre tout simplement. Plutôt pas mal au niveau protection, je trouve ça correct. Entre la batterie qui va être dessus et la plaque métallique, l'antenne est plutôt bien protégée, il y a juste le champignon qui va dépasser. Donc c'est plutôt pas mal en cas de choc, en cas de crash tout simplement. Deux petits LED à l'arrière pour pouvoir le repérer et un qui vous signale l'état de l'appareil. Et vous avez deux petites antennes ici, puisque là on est en FR Sky. Donc prenez bien soin de les mettre vers le bas, elles ne remonteront pas toutes seules dans les hélices, rassurez-vous. Mais avant le vol, prenez bien soin de les mettre vers le bas tout simplement, juste pour éviter les contacts avec les hélices. Alors la particularité de cet appareil, on va y venir, c'est qu'on a sur le dessus, vous voyez, un cadran, là, le même cadran qu'il y a sur les testeurs et pour sauvegarder les batteries. D'ailleurs, j'ai même pas retiré le petit cache plastique. Tac, ça c'est fait. Donc la même chose qu'un testeur, et il va vous indiquer plusieurs choses. Première chose, quand vous allez brancher votre batterie, il va vous indiquer la puissance de la batterie. Donc directement, vous saurez si la batterie est bonne ou si vous êtes trompé de batterie avant de partir. Donc vous aurez le voltage. J'ai perdu mon capuchon. Vous avez le capuchon de la caméra qu'on va retirer tout de suite. Je vais en profiter pour la nettoyer. Donc le petit afficheur qui est là ne donne pas simplement le voltage. Il va également vous servir à voir les canaux sur lesquels vous êtes. Donc c'est un 40 canaux. Vous aurez accès directement avec un de ces deux boutons. Et vous avez également la puissance réglable. Alors je vais peut-être dire une bêtise, je vous mettrai les spécifications dans la vidéo tout de suite pour être sûr, mais je crois que c'est du 25 mW, 100 mW et 500 mW, il me semble. On vérifiera. Hop, je mets un petit coup sur la lentille tout de suite. Tac! Donc petite caméra CMO, oui, hein, donc je vous disais pour l'afficheur, simplement vous avez donc les canaux qui vont s'afficher simplement pour le relier avec votre masque ou votre écran, la puissance de la batterie et également la puissance de l'émetteur du VTX, donc plutôt pratique. Et tout ça, ça se commande avec le petit bouton qui est là. Celui de gauche sert au bind, donc quand vous recevez l'appareil, selon si c'est FR Sky ou Fly Sky, bien sûr vous mettez votre radio. Là moi c'est le FR Sky, donc j'ai mis ma radio sur FRX tout simplement. Vous maintenez le bouton, vous alimentez l'appareil. Donc là c'est un XT30 sur le dessus. Quelquefois il peut être comme moi avec des petits câbles. Quelquefois, il va être fixé directement sur le SC. Donc ça, vous verrez selon la version que vous allez recevoir. Mais bon, les deux sont à peu près identiques, puisque la batterie est bien tenue dessus. Généralement, il n'y a pas d'arrachement de batterie. Si vous avez bien mis votre scratch ici et que vous avez bien serré la sangle, logiquement, ça ne bougera pas. Donc vous maintenez le bouton bind, vous branchez votre batterie, l'appareil se met en bind, vous allumez votre radio sur FR Sky Bind et ma foi, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Donc ce bouton CH ici, qui va vous servir dans un premier temps à régler votre canal pour l'émission du VTX, donc des appuis courts simplement. Pour passer les 40 canaux, ça va s'afficher de A à 1 à A8, ensuite B1, B8, etc. Et vous continuez jusqu'à trouver le canal que vous voulez. Si vous mettez une pression longue dessus, vous allez arriver sur Power. Donc là, vous allez avoir le P et vous allez choisir entre Power 1, Power 2 ou Power 3 en fonction de la distance que vous voulez utiliser. Vous savez qu'en France, c'est 25 mW, donc Power 1. C'est la fréquence sur laquelle je suis, la puissance sur laquelle je suis. La caméra, c'est une 700 TVL CMO. Écoutez, on va voir ce que ça donne au niveau du rendu. J'ai noté, moi, une légère vibration. Alors, est-ce que ça vient des moteurs? Est-ce que ça vient des hélices? Personnellement, j'ai testé avec les jeux d'hélices différents, les nouvelles 4 pales qu'ils m'ont envoyées et celle-ci. Et la vibration est toujours un petit peu là. Donc c'est peut-être plus par rapport au montage. La caméra est assez particulière, vous voyez, elle est fixée dans le châssis ici, entre les deux, sur une articulation, ce qui fait qu'on peut la remonter complètement à 90 degrés vers le haut, à l'équerre. Alors là, avant de voler comme ça, il y a du taf. Mais en fait, elle est réglable complètement et simplement, elle est en force avec l'armature caoutchouc qui est autour pour pouvoir bloquer le réglage. Donc là, on va la mettre sur à peu près 25-30 degrés.
pas beaucoup plus pour aujourd'hui, ça suffira. Donc voilà pour ce petit engin, on a fait le tour ma foi. Bah écoutez, assez particulier, moi j'aime bien, c'est un bloc tout en un, super résistant. Bon, peut-être un petit chouïa dangereux pour la caméra si on prend un choc de face, parce qu'elle est bien exposée quand même. Sinon le châssis lui est plutôt correct et est bien finalisé. Ils font vraiment des bons petits produits chez V-Fly. Donc maintenant, bon, on va voir ce que ça vaut. On va se tester ça en vol. C'est parti pour un petit vol à vue. Donc celle-ci, c'est une 500 mAh en 3S. C'est simplement pour voir la fluidité de l'engin et la pêche de l'engin en 3S. Alors bien sûr, assurez toujours votre prise balance. Voilà, bloquez là. C'est super important. C'est pas forcément ce qui va vous faire vous cracher si jamais la prise balance touchait les hélices, mais si vous la bousillez, bah vous allez être enquiquiné pour recharger et vous pouvez par la même occasion bousiller la batterie. Donc bloquez bien votre prise balance, c'est super important à chaque fois. Je ne le répéterai jamais assez. Hop, bien serré. Tac, donc cette batterie est un peu plus petite, un peu plus fine. On peut mettre plus gros que ça, bien sûr. Je vous conseille en 3S de mettre au moins du 800, 850 mAh, voire 1000. Il n'y a pas de souci. Tac, donc logiquement, on doit être sur le V-Fly R130 en FR Sky X. Je connecte l'engin. Donc voilà, comme je vous disais, l'afficheur, je ne sais pas si vous le verrez, on est à 12,3 en puissance, et puissance 1, et sur le canal 1A, tout simplement. Donc c'est parti, je vais démarrer d'ici pour éviter de le mettre dans l'herbe pour l'instant. Bip, 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 nous sommes prêts. Allez, vitesse, hop, mode stabilisé, tout simplement. Et c'est parti, mise en route. Tac, donc bien sûr, vous retrouverez mon Beta Flight à la fin de la vidéo, comme d'habitude. C'est parti. Donc, mode stabilisé, vitesse 1. Donc là, c'est tout doux, c'est tout propre. Donc c'est un engin qui est hyper stable. J'ai ma petite sangle qui balade en dessous. Oh, ça risque rien, c'est en dessous. Ça risque pas de toucher. Hop, donc je vais tout de suite passer en vitesse 3 de base. Voilà. Petite rotation. Donc j'ai mis pas mal d'expo. Donc je peux gérer la rotation tranquillement, comme je peux, vous voyez, tout doucement avec l'expo. Ou alors, à pleine vitesse, on a vraiment un bon répondant. Alors on va se faire un petit test de punch tout de suite. Alors, test de punch en 3S pour le petit V-Fly R130 dans 3, 2, 1. Hey ! Super stabilité, il redescend à plat comme une feuille. Donc, bonne petite patate. Bonne pêche pour ce petit engin. Oh, je crois que j'ai touché un peu la sangle, je vais revenir, j'ai ma sangle qui pendouille, c'est pas bien du tout ce que je fais. Alors je vais me poser, oh bah je vais me poser là. Hop, je vais tout de suite installer une 4S, on aura vu ce que donne le test de punch, je vais vous en refaire un vite fait avant de se poser, et après on installe la 4S, j'en ai plusieurs. Test de punch en 3S, dans 3, 2, 1. Oui. Allez, on va le ramener tranquillement. Hop, on se pose et on coupe les moteurs. Ben voilà, plutôt pas mal pour un 3S, hein. Franchement, il en voit déjà bien, hein. Donc ben moi, c'est ce que je vous conseille pour débuter, hein, avant de passer au 4S, franchement. Entraînez-vous en 3S sur ce petit engin, il a vraiment un super répondant. Donc on verra ce que ça donne, bien sûr, en immersion. Donc je reconnecte. Tech. Ah ben voilà, là ça va être un peu plus sérieux. Je revérifie mes câbles. Oh, rien ne vous empêche de mettre un petit riselant, hein, un petit collier pour maintenir les petits câbles d'antenne vers le bas pour être sûr de ne pas toucher. Moi j'ai pas eu le souci pour l'instant. On verra bien. Allez, je redémarre de là. Donc on va se faire un petit test en 4S. Je reste en vitesse 3 en mode stabilisé. Tech, mise en route. Alors là, il y a du répondant. Hein. Oh, que ça répond bien.
Il y a du vent aujourd'hui, hein. Si vous voyez qu'il part comme ça sur la gauche, c'est parce qu'il y a vraiment pas mal de vent aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on se ferait pas un petit test de punch tout de suite pour voir la différence, pendant qu'on se rappelle un peu de la 3S? Allez, c'est parti pour un petit test de punch. Je vais piloter avec les pouces. Ah non, je suis plus trop à l'aise avec les pouces, hein, c'est dingue. À force de piloter en pince comme ça, sur simulateur, on prend vraiment des bonnes habitudes en fait. Allez, c'est parti, test de punch en 4S pour le petit R130 de Chevy Fly. Dans 3, 2, 1... Ouai ! Petit coup de gueulante quand même, hein. Bon, bah ça marche. Wouhou ! Ah, il en voit bien. Ah, il en voit vraiment bien. Il est hyper stable. Là-bas, j'ai le soleil. Il faut que je fasse gaffe. Wouhou ! Allez, on se stabilise. On va se faire un petit coup d'horizon. Voir comment il réagit aux figures. Donc, mode horizon. Tac, deuxième cran. Reviens, Léon. Il y a les mêmes à la maison. Hop, alors c'est parti, petite figure. Oh, sans problème, super propre. Bonne réactivité, bonne stabilité. Superbe, un peu plus large. Eh ben ma foi, bon répondant pour ce petit joujou. Je repasse en mode stabilisé tout de suite. Eh ben, en 4S ça part, hein. Sans souci. Wopé ! Là-bas, j'ai le soleil, attention. Ah, c'est un petit gueulard, hein. Ah, puis les gemmes fan flash font aussi que ça couine un petit peu plus. Selon le type d'hélice, vous aurez des bruits différents. Donc, ben voilà pour ce petit bébé en 4S. Bon répondant, beau petit joujou. Ah, j'étais en vitesse 2. Ah, c'est pour ça que j'avais moins d'inclinaison. Allez, on va se ramener le petit joujou et on va se tenter un petit coup de FPV, même s'il y a un petit peu de vent. Ça devrait pas trop le déranger. On va se poser tranquillou pilou, on réduit les gaz et on coupe, tout simplement. Bien, un petit bonhomme, plutôt satisfait ma foi. Donc bien sûr, hein, rappelez-vous, vous posez votre radio proprement, sans qu'il y ait rien autour, que ce soit un petit ou un gros, parce que là je vous assure que les jeunes femmes, elles font plutôt mal aux doigts si jamais ça se met à tourner, et vous déconnectez votre appareil en toute sécurité. On va se servir de la boîte pour le décollage, ça évitera de le mettre dans l'herbe directement. Allez, je lance l'enregistrement, c'est parti. La caméra est connectée, le micro est connecté, il n'y a plus qu'à. C'est parti les amis, bon vol. Je pars directement en mode accro. Mise en route. Oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas volé en vrai. Depuis le simulateur. Alors oui, comme je disais, j'ai bien une petite vibration sur la caméra. Ça va, c'est plutôt correct. Je parle pas beaucoup, hein, je suis concentré. Je suis contre le vent, je le sens. Ça tire un peu. Bonne petite pêche. La réception est correcte, je suis en 25 milliwatts.
bonne réactivité, bien pour les petites races. Donc là, j'ai pas monté trop ma caméra. Hop là, petite esquive du poteau. Bonne accroche dans les virages. Ah, c'est propre. Ça répond super bien. Ah, ça change du simulateur, hein. Parce qu'en plus sur le simulateur, j'ai pas les parasites. Tout en fluidité. Ah, j'ai beaucoup plus confiance dans le simulateur, hein. C'est chaud là. Hop, touché. Je récupère, ouais. Bien joué. Bon, je vous ai dit, il est costaud, hein. C'est vrai que c'est pas la première touchette que vous allez abîmer quelque chose, je pense pas. Les hélices, bien sûr. Là, je sais que j'ai touché à plat. Super stable, très propre. Donc, bonne portée pour ce petit joujou, plutôt sympa. Allez, je vais pas insister de trop, on va mettre une deuxième batterie. Parce que celles-ci sont pas vieilles. Je vais repasser en mode stabilisé. Oups là, je repasse en mode stable pour pouvoir le ramener tranquillement. Légère oscillation. Je vise la boîte ? Allez, je vise la boîte. Raté. Allez, je coupe. Bah écoutez, j'espère que ça vous plaît. Moi, perso, je suis satisfait de ce petit engin. J'aime beaucoup. Alors, il y aura des pour, il y aura des contre au niveau du châssis, de la finition. C'est vrai que c'est un peu particulier, mais moi, j'aime bien. Ça change un peu et surtout, c'est résistant. Et en tout cas, il a vraiment un bon comportement. Aucun souci sur les réglages Betaflight. Donc, satisfait, le Tazou. Et on enclenche. Tic. Je regarde la portée de la vidéo. Là, je suis au bout du deuxième stade. C'est plutôt correct, hein. J'ai pas de perte. Pas de perte de signal. Pas de perte de vidéo. Tutto va bene. J'aurais peut-être dû incliner un peu plus la caméra, par contre. Je pense. On va faire ça. Hop. Ne bougez pas. Bon, je lui ai mis une trentaine de degrés. C'est parti. Ah, c'est mieux tout de suite. On va voir si la caméra suit bien avec le soleil. Vous voyez le soleil, je suis en plein dessus. Hop, je me remets dans l'ombre, hop. Ah, ça va. Hein. Caméra est sensible, par contre, à la lumière, ça c'est propre. On n'a pas de zone d'ombre. Quelquefois, les caméras mettent un peu plus de temps à trouver le contraste.
Hop là, oups là, mince, j'ai touché. Ah, je suis revenu debout, c'est bon. J'essaye de redécoller. Armé. C'est parti. Quand je vous dis qu'il est costaud, j'ai pas osé remettre la pêche. C'est sûr que c'est plus dur quand on n'entend pas l'appareil. Moi, j'aime bien entendre le bruit du moteur. Bonne petite patate. Bon, ben, je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup ce petit engin. Voilà, vous vous faites votre propre idée encore une fois. C'est vraiment sympa. Ouais, très fluide. Très fluide, très propre. Hopé, branchette, je coupe les moteurs. Je suis où? Ah, je suis dans l'herbe. Bon, j'avais le retour caméra après le crash, hein, donc ça veut dire que tout est en place. Où es-tu, je? Petit Vifli! Vifli! Ah, je l'entends. Et je le voye. Donc j'espère que cette petite revue vous aura plu sur le petit V-Fly R130 tout plié. Mais sinon, tout va bien. Donc bah écoutez, faites-vous votre propre petite idée sur ce petit engin de chez V-Fly. Moi, perso, j'aime bien. Il faut que je ramasse ma piste d'atterrissage. Plutôt de décollage. J'aime bien ce petit V-Fly R130. Maintenant, bah, à voir ce qu'ils vont nous sortir maintenant. J'attends le prochain de chez V-Fly pour voir ça. Allez, à très bientôt dans mes vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao!